Bonjour, vous êtes plusieurs à m'écrire que qu'Al Jazeera parle de moi. Alors, elles sont bien, elles sont mal, je n'en sais rien puisque Google ne traduit pas les paroles qui ont été rajoutées par la suite. Donc, même en mettant les sous-titres n'arrivent pas. Alors, j'aimerais, s'il vous plaît, parmi tous mes abonnés, vous êtes nombreux à parler l'arabe et j'aurais voulu avoir, si vous avez la gentillesse de le faire, de traduire pour moi la partie intéressante. A priori, je pense que ce sera défavorable. Défavorable, pourquoi? Be prevented by healthy lifestyle behaviors that we do have control over. Dip half a lemon in baking soda. This combination is effective in the ongoing struggle against cancer. Easy anti-cancer protocol, and that is the baking soda and maple syrup. وده غير الناس اللي طلعوا بتفسيرات غريبة عن مسببات السرطان نفسه. قررت أرجع تاني لديفيد وأسأله عنها. Et quand je vois avec quoi on me mélange, je pense pas que ce soit très favorable. En effet, mettre quelques brocolis dans un plat de pâtes, à savoir des carbohydrates, comment est-ce que ça pourrait être un bienfait pour le cancer? Vous le nourrissez de manière... Et celui-là, du baking soda mélangé avec de la mélasse, c'est-à-dire sucre pur. Et donc là aussi, j'ai connu une personne, 2017, je le suivais après avoir connu mon cancer. Et bien sûr, cette personne faisait ceci et il est décédé. Donc les amis, comme Al Jazeera utilise mon image, j'aurais voulu avoir un droit de réponse, que ce soit favorable ou pas. J'aimerais m'expliquer. J'aimerais leur donner notre protocole de manière à ce qu'ils fassent, qu'ils sachent que l'on peut guérir du cancer. Merci les amis, merci pour votre aide. Très bonne journée. Au revoir.